vice-président de la CENI. Pas de manipulation des tendances. En réaction aux critiques essuyées par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, concernant le traitement des résultats du second tour de l'élection présidentielle, son vice-président Thierry Rakoutnajiv a expliqué aujourd'hui que le traitement suit l'ordre d'arrivée des résultats. Il n'y a aucune volonté de manipuler la sortie des tendances pour favoriser tel ou tel candidat, a fait savoir Thierry Rakoutnajiv. Lui de continuer que le tiers des résultats actuellement publiés par la CENI viennent d'Antananarivo et de Fianarantsoa. Les autres ex-provinces tardent encore à envoyer leurs résultats. Concernant la sortie du résultat national provisoire, Thierry Rakoutnajiv de déclarer que le temps imparti par la loi sera respecté. La CENI envisagerait même une publication avant la fin de l'année. Avec le rythme de traitement des résultats actuels, la CENI envisage d'avoir tous les scans de PV dimanche. En effet, le volume de traitement de la CENI est actuellement de 5500 bureaux de vote par jour. Et pour la énième fois, la CENI a rappelé que la commission n'a pas le droit de toucher aux résultats au PV. Elle n'a pas le droit d'annuler des voix. En attendant l'arrivée des plis électoraux version papier en son siège, la CENI travaille actuellement avec des PV scannés que les SRMV ont envoyés. La CENI, avant de valider les résultats issus de chaque bureau de vote, comparera les PV scannés avec les versions papier et procédera au recomptage des bulletins uniques si nécessaire, a ajouté Thierry Rakoutnajiv.